Bonjour à tous, alors je vous retrouve pour cette petite vidéo concernant les mini-enveloppes. Donc on va faire ça ensemble. Voilà, moi j'ai choisi du papier avec des petits points, des petites dots parce que j'adore ça. Un format 21 par 21, mais on peut prendre exactement ce qu'on veut. C'est pas un souci. Donc là, en fait, j'ai tout calculé pour vous parce que c'est pas évident en fait pour calculer pour les mini-enveloppes. Voilà. Donc là, je vais préparer mon papier et j'ai préparé ma petite formule en fait qui va être donc de faire des carrés. En fait, les enveloppes, on part toujours d'un carré qui va être de faire un carré de 10,2 par 10,2. Vous voyez, c'est ce qui est marqué à droite de l'écran là. Et la ligne de pliure sera à 4,5. Avec, moi, je vais utiliser la planche, la Insta Envelope. Je pense que tout le monde connaît ça. Donc voilà, donc là je mets mes petits repères sur ma feuille à 10,2. Donc je peux en tirer deux hein, par rapport à ce format-là. Là je vais prendre le petit massicot. Vous voyez, j'ai un petit massicot de poche qui est très pratique. Voilà, je mets quand même mes repères au crayon parce que j'ai pas toujours très très confiance. Voilà. Donc là, on tire à 10,2. Une fois, puis deux. On essaie d'optimiser aussi le papier, hein, bien sûr. Voilà. On va venir recouper à 10,2 pour avoir notre carré. Je reprends ma règle et mon crayon et je vais venir, voilà, je mets un repère à 10,2. Le reste, je vais vous montrer après qu'est-ce qu'on va en faire. Puisqu'on va avoir une petite chute, on ne peut pas tirer deux fois 10,2, donc c'est pas grave. On va avoir une chute qui va être de environ 10, mais en réalité, on va pouvoir... Donc là, je note. 10,2 sur 10,2 pour bien me rappeler que ce sont ces deux petits carrés-là qui font cette dimension. Voilà, et les deux autres petites, les deux petites chutes là, je vais les mesurer et en fonction de ça, donc voilà, j'ai 9, quelque chose et là j'ai 10, donc bah, en fait je vais faire un carré de 9 par 9. Bon, là, je suis en train de chercher un peu, mais en fait, je sais que je vais faire un 9 par 9 pour avoir de quoi faire encore deux mini-enveloppes. Essayez d'être assez exact au niveau de vos dimensions. Ça permet d'avoir un travail quand même qui est plus net à la fin, vous verrez. Bon, après, on est là pour s'amuser, donc bon, on se prend pas la tête non plus, hein. Donc là, je vais reprendre un petit peu parce que j'ai vu que mon papier du dessous avait un tout petit peu bougé, ce qui fait que je vais réharmoniser tout ça de façon à ce que ce soit quand même assez correct. Voilà. Donc là, je me retrouve avec deux petites chutes qui vont faire 9 par 9. Je vais le noter aussi pour être sûre que je me trompe pas. Oui, je refais. Voilà. Parfait. Donc voilà. Essayez toujours de mettre des petits repères pour. Moi, je suis assez étourdie, donc j'ai besoin de marquer pour bien me rappeler, sinon je me rappelle plus, donc il faut que je remesure et tout ça, donc ça fait perdre du temps. Donc voilà, ça c'est justement l'Insta Envelope, l'enveloppe Punchboard, qui est très pratique donc pour faire des enveloppes. Mais là, en l'occurrence, ces tailles d'enveloppe-là, elles ne figurent pas en fait sur ce petit punchboard-là. Alors là, on va faire donc le repère à 4,5. Donc voyez, et je fais deux tours sur la droite avec mon papier et je me remets au repère 4,5. Je punch et je tire avec
le plioir pour faire une rainure. Et ensuite, je vais me servir de la ligne. Je viens placer mon curseur sur la ligne. Je punch, en fait c'est pour donner un coup de perforatrice, et je tire ma ligne. Pareil, je me remets sur la ligne, je punch et je tire avec le plioir. Ça fait les rainures. On va faire la deuxième. Donc, le repère c'est 4,5, je me mets à 4,5. Deux tours sur la droite pour me retrouver en face. Je punch et je tire la ligne sur la pliure. Je me sers la pliure, je punch et je tire la ligne de pliure. Je me remets sur la ligne, je punch et je tire la ligne pour avoir mes repères qui vont me permettre après de bien plier. Là, on va fignoler les angles, voyez, puisqu'il y a une perforatrice intégrée. Voilà, ça fait bien les angles de l'enveloppe. C'est nickel. On fait les quatre, comme ça c'est fait. On va faire la deuxième enveloppe. On efface le crayon papier. Et on y va, on punch. On punch. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais bon, moi je trouve que c'est plus joli. Et comme ça, on peut ranger son Insta enveloppe de façon à avoir toujours une petite place bien propre. Et là, on va faire nos plis. On a le plioir, donc on plie et un petit coup de plioir. Ça permet d'avoir vraiment une belle rainure. Pareil. On va faire les quatre comme ça. Après, pour les autres, je mettrai un petit peu d'accéléré parce que sinon, vous allez peut-être vous endormir. Mais bon, je pense que vous avez compris le système. Voilà, donc là on a fait les quatre côtés. Maintenant, moi ce que je veux avoir c'est une petite enveloppe toute mimi, et ce que je veux c'est que ce soit très joli. Donc là voilà, je viens prendre les repères ici et là au milieu, et je vais couper juste une pointe. Je me sers de mon massicot, sinon vous utilisez des ciseaux, hein, si vous n'avez pas de massicot, c'est vraiment, ça c'est pas utile, hein, c'est bien, parce que moi je coupe pas droit du tout, donc voilà, et comme ça j'enlève la petite pointe. Et maintenant je vais pouvoir venir coller, là, bon, j'efface. S'il reste un petit peu de crayon papier, vous effacez, et là on va pouvoir venir coller les bordures. Donc vous prenez soit de la colle, soit moi j'ai un petit roller là, c'est bien pratique. Donc, on colle le premier côté. On va plier, voilà. Bon, en fait mon but c'est que la petite languette du bas soit sur le dessus. J'avais prévu de faire un petit décor comme ça. Donc, mais après vous pouvez faire l'inverse, hein, mettre en dessous, hein, y a pas de souci. Voilà, et on colle. Et après, on fera donc un système de fermeture. Donc, on va voir après. Pour pouvoir fermer notre mini enveloppe. Et donc là, bah, notre enveloppe, elle est faite. Hein, ça y est. Donc, la mini fermeture, j'ai prévu de la faire. Parce que en fait, j'ai pas grand-chose. Moi, le scrapbooking, c'est pas du tout mon truc. Hein, j'en fais pas du tout. C'est pour ça d'ailleurs que je vous marquerai pas de nom particulier, ni de papier, ni de ci, ni de là. Parce que moi, j'ai pris avec ce que j'avais. Donc là, j'ai décidé de faire une fermeture vraiment minimaliste. Avec un petit cœur qui est tiré d'une perforatrice à cœur. Et voilà, donc on met un tout petit point de colle en bas. Bon, sauf que là, la colle est un petit peu... elle avait un peu séché, donc je vais avoir un petit souci. Mais ça va se régler. Donc en fait, le fermoir, la fermeture de l'enveloppe va être très simple. On va juste coller ce petit cœur à moitié, en fait juste sur la pointe, de façon à pouvoir... mettre juste le haut de l'enveloppe qui va venir s'insérer sous le cœur, et ce qui va nous faire une petite fermeture d'enveloppe. Je procède comme ça parce que bah, ça coûte rien, c'est mis dans les chutes, hein, les petits, vous faites dans les chutes de vos papiers, vous faites plein de petits
de petites formes comme ça avec des perforatrices si vous en avez. Moi c'est tout ce que j'ai donc là. Donc là je viens l'appliquer vraiment sur à cheval pour pas complètement fermer l'enveloppe. Hein. Il faut que je puisse avoir le rabat de disponible, de libre. Donc voilà, je place mon petit cœur et je vais venir relever le rabat. Vous voyez d'ailleurs là c'était limite collé, c'est bien, ça vous fait la démo comme ça. Donc c'est pas grave, hein, ça veut dire qu'il fallait que je le descende un tout petit peu plus, donc je le descends un petit peu plus, le petit cœur, de façon à pouvoir, voilà, libérer le rabat du haut. Après vous verrez qu'au fur et à mesure d'en faire, vous avez la notion de la distance et... Et puis bah, s'il faut refaire, vous refaites, hein, c'est pas... on est là pour s'amuser, pour prendre du bon temps, donc voilà. Et on a notre première petite enveloppe de fête. On va faire la deuxième. Finalement, je vais pas mettre d'accéléré, on va se la garder comme ça. Donc, pareil, je fais mes pliures des quatre côtés. C'est vraiment très 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 enfin c'est très relaxant comme petit travail hein, à faire. Ça demande un peu de concentration aussi pour pas faire de bêtises parce que sinon bon après c'est pas grave en soi, mais là je viens prendre mes petits repères pour couper le petit morceau qui est de trop. Et je peux venir couper l'excédent de la pointe. Alors encore une fois, tout ça c'est parce que c'est mon goût, mais si vous préférez garder la pointe, vous la gardez. Ça c'est pas compliqué. Hein. Il n'y a rien d'obligatoire. Ben voilà, j'ai pas fait attention, j'ai mis un coup de gomme qui m'a un peu abîmé mon papier. Mais bon, ça va, ça va encore. Et là, on va venir mettre la colle et on va coller le premier côté. D'ailleurs, j'allais me tromper. C'est comme je me concentrais un peu, je me concentrais tellement que voilà. Et on colle le dernier rabat. Parfait, bien à plat. Alors cette colle là, ça va très très vite. Hein. Vous n'avez pas le droit trop le droit à l'erreur, donc faut être un peu sûr de soi. Et on va faire notre petite fermeture. Donc là, je vais prendre un mini cœur. Voilà, ça aussi, j'aime bien travailler avec. Voilà, ça, c'est la perforatrice que j'utilise pour faire les cœurs. Voilà, c'est ce que j'ai. C'est une Martha Stewart, je crois. C'est tout ce que j'ai. J'en ai une autre, mais qui ne convenait pas du tout. Donc j'ai deux. Voilà, il y a les tout petits cœurs. Et puis là, je prends le plus grand. Et j'utilise la pince à épiler, une pince qui est très fine. Ça permet d'avoir un travail, parce qu'avec les doigts, c'est pas toujours facile. C'est assez petit, c'est très délicat. Vous voyez. Donc là, on va venir mettre un petit point de colle, juste sur la pointe de notre cœur. Et pareil, on va venir le placer pour que ce soit à cheval et que ça nous libère, à la fois ça nous libère le rabat du haut, mais ça le tient aussi quand on veut fermer la mini enveloppe. Voilà, vous restez appuyé, genre 15 secondes, hein, parce que franchement ça... Mais là, voilà, n'oubliez pas de libérer le rabat pour être sûr que ça reste pas collé. Sinon, la blague, c'est de ne pas pouvoir ouvrir son enveloppe. Mais voyez, là, c'est parfait. Tout va très bien. Impeccable. Voilà, donc là, on a fait nos deux petites enveloppes. Là, le format, il est d'environ 5 cm sur... Je me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire, donc je ne l'ai pas sous le coude là, mais bon, c'est vraiment mini. Éventuellement, je vais le rajouter.
Alors on continue. Donc là, dans les deux petites chutes, j'ai pu récupérer deux petits morceaux de 9 par 9. Donc je vais me servir de ça et je vais garder le repère de 4,5 au niveau de la pliure. Donc pareil, hein, je putsch et je tire mon trait. Deux tours à droite et hop, je viens puncher et je tire. Je me sers de la ligne, punch et tire la ligne. Alors, récupère ta ligne, tu punches et tu tires ta ligne. On va faire la même chose sur la deuxième, comme ça au moins c'est fait. Tout ça, vous voyez, hein, ça va quand même très très vite. C'est un coup de main à prendre. Donc si vous avez besoin de revoir la vidéo, n'hésitez pas, vous la remettez avec un petit peu de ralenti pour faire les choses tranquillement. Moi j'ai justement, j'ai pas mis ni d'accélérer ni de ralenti pour que vous puissiez bien voir. Là on fait nos angles. Voilà. Et comme ça on peut après ranger notre petite planche. Voilà. Alors je vais pareil, plier, et là vous allez voir que la forme n'est pas du tout la même. Là on va avoir des mini enveloppes carrées. Donc on n'aura pas besoin de couper un excédent, là on va pouvoir coller directement nos petits rabats. Bon moi je trouve ça adorable, ces mini enveloppes, je trouve ça super mignon, vous pouvez vous en servir pour plein de choses en fait. Et puis vous pouvez écrire dessus aussi parce que vous pouvez marquer ce qu'il y a dedans. Et puis on peut s'en servir pour des petits bijoux aussi. Ça peut être pour offrir bien sûr. Mais si vous faites un peu des bijoux avec des perles, ça peut être vraiment très intéressant. Ou pour ranger des petits rivets, ranger... Et puis c'est surtout que ça ne vous coûte rien parce que vous faites ça avec du papier classique. Hein, Ça fonctionne très très bien. Moi j'aime bien avec les dots et puis j'en avais donc je m'en suis servie. Hein, mais voilà, donc là je colle pour pouvoir coller les rabats. Parfait. Et le petit rabat dessus. Donc après on va venir aussi faire le petit système de fermeture comme on fait. Le système de fermeture, ça c'est vraiment un système de fermeture de fortune. Il en existe pas mal d'autres, hein, mais il faut avoir un petit peu plus de matériel et moi j'en ai pas. Donc j'ai fait avec ce que j'ai. J'ai trouvé que c'était ce qu'il y avait de plus joli et de plus efficace parce qu'on peut faire aussi une espèce d'incision pour venir ranger le rabat, mais c'était pas joli. Donc j'ai préféré ça. Et comme j'avais plein de petits cœurs, je trouvais que c'était mignon. Voilà. Pareil, là, on en colle le petit rabat. Parfait. Donc là, j'utilise la même taille de petits cœurs, c'est-à-dire la plus grande taille des deux, puisque vous avez vu, j'ai deux tailles. Là, j'utilise pareil que pour les autres enveloppes, un tout petit peu plus grandes. Là, du coup, je vais venir poser ma colle sur un support. Ça aussi, on peut le faire. C'est une autre façon de faire. Comme ça, vous voyez les deux. C'est un peu à la convenance. Ça dépend. Ça dépend de l'humeur, du jour et du moment. Voilà. Donc, je vais faire un couleur craft et un couleur noir, puisque j'ai d'autres... J'ai les petites boîtes qui vont être de cette couleur. Voilà, je viens appliquer un tout petit... Vous voyez, c'est vraiment un tout petit point de colle. Hein. C'est presque de l'orfèvrerie, presque de la joaillerie que l'on fait là. Moi, c'est ce qui me plaît, c'est le fait de travailler aussi un peu délicatement. Ça permet de se concentrer et ça permet de justement canaliser son esprit et travailler sa concentration. Voilà, pareil.
On vient coller ça. Donc moi, je le fais avec le rabat fermé pour avoir la bonne dimension. De ce fait, n'oubliez pas, voilà, de libérer le rabat pour pas qu'il reste collé, parce que ça peut arriver. Hein. On a nos deux mini enveloppes de fête. Et donc, je vous disais que j'ai fait d'autres petites enveloppes et j'ai rajouté un tout petit cœur devant, puisque j'ai deux tailles de cœur. Je me suis dit, bah tiens, puisque je les ai, je vais faire ça. Et je trouve que c'est assez mignon, assez joli. Donc, c'est ce que je vais faire là. Voilà, donc là je récupère deux mini cœurs d'un côté, voilà. Je les sors et je vais venir les placer sur chaque enveloppe parce que justement, comme je suis assez étourdie, il suffirait que je pourrais me tromper, donc je viens là et je place ça. Pareil, hein, vraiment un minus point de colle pour ne pas que ça fuit tout autour. De toute façon, en séchant, cette colle, elle devient transparente, donc c'est pas un souci. Mais bon, après, ça va empastisser un petit peu tout, donc on essaye de travailler le plus proprement possible. Voilà, pensez aussi à avoir un petit Kleenex avec vous, ça permet justement d'essuyer le bout de sa pince, par exemple. Et là, je viens placer mon petit cœur. Donc cette colle, elle est bien parce que ça permet de repositionner, mais pas pendant 3 heures. Hein. Il faut être assez rapide quand même. Et voilà. Nos mini enveloppes sont faites. Alors j'espère que ce petit tutoriel vous plaît. Donc là on a les deux grandes et les deux petites. Trois petites, voilà. Et donc moi ce que je me suis dit c'est que je pouvais ranger ça dans des enveloppes box, ça veut dire la petite enveloppe noire là que vous voyez qui est un petit peu plus épaisse. Et là ça va me permettre justement de ranger toutes les petites enveloppes et dans lesquelles je mets bah, soit des anneaux marqueurs, soit des petits bijoux, ça peut être vraiment différentes choses. Et ça peut être aussi pour offrir hein, bien sûr. Hein. Donc là pareil. Ben, ce sera dans un autre petit tuto pour l'enveloppe box. Voilà, à très vite!